Et voilà, avec moi, comme promis, mon ami, frère et confrère et tout ce qu'on peut dire, Henri Désiré Nzuzi. Je rappelle que vous êtes contributeur de VOA et vous êtes aussi producteur associé du GT diplomatique. C'est toujours un grand plaisir hein, de vous avoir dans mon émission ou dans mes émissions, dois-je dire ainsi, Henri. Un grand plaisir. Comment vous allez, hein? Ben, très bien, très bien. C'est un plaisir partagé, comme à chaque fois que j'ai l'opportunité de me retrouver sur les ondes de VOA, que ce soit virtuellement ou de manière tout à fait réelle et physique à Washington. Exactement. Je dois dire que nous vous avons tellement dérangé cette année avec tout ce qui s'est passé ou tout ce qui continue à se passer. Et là, vous revenez de Kinshasa, là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Et comment ça se passe là-bas? Bon, c'est un peu tendu, hein, mais bon, on verra dans les prochaines semaines comment les choses vont s'articuler. Pour l'instant, les gens sont focalisés vers le passage tant attendu de 2020 à 2021, une année que beaucoup, beaucoup aimeraient oublier. 2020, un cru exceptionnel, mais très difficile pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, pour le monde, enfin dans le monde, quoi. Et moi, comme vous le savez très bien, Henri, je parle souvent aussi de la culture dans mes émissions. Et je rappelle à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, nous sommes en train de parler de rétrospective 2020, tout ce qui s'est passé au long de cette année. Et si vous voulez nous rejoindre aussi, il y aura un numéro WhatsApp si vous voulez nous appeler ou poser une question aussi à Henri, mon invité de ce soir. N'hésitez surtout pas. Henri, je commence d'abord, comme je disais, avec la partie culturelle. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement, hein? Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le monde, mais vous, personnellement? Oh, il s'en est passé beaucoup de choses. Bon, d'abord, beaucoup de manifestations culturelles ont été soit reportées, soit annulées. Si on étend un peu le champ de la culture au sport, par exemple, bah, on a été privé de Jeux olympiques, on a vu des matchs de football se tenir dans des stades vides. On a beaucoup perdu en humanité, je dirais, cette année. Une sorte de désincarnation, en fait. Par rapport aux relations humaines, et c'est pour cette raison d'ailleurs que je dis volontiers que cette année a véritablement provoqué un triple choc à cause justement du COVID-19. Le premier choc, il est civilisationnel, puisqu'on a vu s'opposer deux modèles de société, deux visions du monde diamétralement opposées. Au tout début, lorsque la Chine était pointée du doigt, on a vu l'Occident presque s'en prendre à la Chine, et ironie du sort, c'est cette même Chine aujourd'hui qui fournit des masques, qui fournit un nombre de choses. Le deuxième choc, il est d'ordre identitaire. On a vu aussi que face à une forme d'ostracisme, eh bien, les gens ont tendance à se replier sur leur communauté, sur, je dirais, leur propre environnement pour comme se protéger, comme se prémunir contre quelque chose qui les dépasse. Et puis, un troisième choc, me semble-t-il, celui-là beaucoup plus existentiel, puisque notre rapport à l'autre a profondément changé avec les gestes barrières, la distanciation sociale, avec toutes ces contraintes justifiées pour des raisons de santé publique, bien évidemment, mais qui transforment radicalement les relations humaines. Je ne sais pas à quoi ressembleront ces mêmes relations dans une année ou deux, mais aujourd'hui, on le voit, nous avons déjà acquis des réflexes, et ces réflexes, il faudra, eh bien, les conserver, même s'il y a aujourd'hui un vaccin qui est annoncé. S'il y a un vaccin et vous entrez hein, dans le sujet, parce que évidemment, si il y a un ami qui me disait, si on vous posait la question de savoir, vous vous souvenez de quoi en 2020? Qu'est-ce que ça vous rappelle 2020? Covid-19 serait sûrement Bien sûr, anticipé numéro bien 1, sûr. le top. Ben ouais. Oui, bien sûr, absolument. Le Covid-19, évidemment, sur un plan, on va dire, purement, je dirais, humain, pour ne pas dire militant, revendicatif, il y a évidemment la mort de George Floyd. On n'avait jamais, jamais vu dans le monde un élan à la fois de compassion, de générosité par rapport à ce qui s'est passé. Aussi, je pense, une année très particulière pour l'Afrique, l'année de la
résilience africaine par opposition à une année qui a été très difficile pour l'Occident. Souvenez-vous, l'Afrique a été pointée du doigt comme étant l'enfer de Dante, avec des chiffres alarmistes qui nous étaient promis, avec une hécatombe annoncée, mais qui n'a jamais eu lieu. L'Afrique a tenu bon, l'Afrique se relève, et l'Afrique a commencé petit à petit, ce n'était pas du tout évident, à développer en interne des mécanismes de solidarité, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et là, vous l'avez si bien dit, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et vous avez mentionné la mort de George Floyd. On a vu l'impact que cela a créé partout dans le monde, en France, en Europe aussi, de votre côté. On a vu ce que cela a pu faire. Pour ceux-là qui ne se rappellent pas, c'était une affaire de violence policière ici, chez nous, aux États-Unis, qui a créé qui a fait couler, l'encre partout dans le monde. Il est décédé suite à son interpellation par plusieurs policiers, dont le policier blanc, Derek Chauvin. Mais on a vu aussi que cela a continué à se passer même en Europe, parce que récemment, on a vu les violences policières, un producteur, je pense, français, on a vu que cela avait continué jusqu'à la fin, c'était en, c'est pas novembre, décembre, et cela a montré combien on a encore beaucoup à apprendre, je dirais, Henri Désiré. Oui, tout à fait. Autant le Covid a été une sorte de catalyseur qui a permis à certaines minorités de véritablement prendre conscience d'un certain nombre d'injustices. On a vu des catégories professionnelles se lever pour dénoncer un certain nombre de choses. Cette crise de la Covid-19 a été une manière de libérer la parole. Et c'est vrai que George Floyd est passé par là, et ça permis à des catégories de personnes qui, en règle générale, ne sont jamais entendues, eh bien, ces personnes sont montées au créneau pour faire entendre leur voix, pour faire prévaloir leur point de vue, et puis surtout pour repenser de manière profonde les relations dans une société qui, il faut bien le dire, s'est beaucoup, beaucoup fissurée à cause, pas seulement de la crise, mais aussi à cause des inégalités sociales, à cause des injustices et à cause aussi d'une forme d'abandon et de démission de l'État dans ses missions régaliennes. Et cela concerne absolument tous les pays où on a vu, en fait, les gouvernements être débordés face à quelque chose pour laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. Et ça permet effectivement à ceux qui, jusqu'ici, se taisaient, eh bien, tout simplement, de s'exprimer. Et pensez-vous, je pense, ça c'est un peu une question, pensez-vous qu'on a appris de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous venez de mentionner? Pensez-vous que l'humanité a appris quelque chose dans tout ça? Je pense que oui, parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce monde très compliqué que l'Américain qui vit à Raleigh, qui vit à Baton Rouge ou à Nashville est égal devant la mort par rapport à quelqu'un qui vit à Tombouctou, à Kidal, à Kinshasa, à Bamako, ou même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la première fois que tous les hommes font face au même péril, avec la même impuissance, avec la même incertitude, et surtout avec cette peur au ventre d'y passer. Et ce qui développe en fait un mécanisme de survie que l'on a vu effectivement dans beaucoup de pays, se développer, peut-être pas au même rythme, mais qui a incité les gens véritablement à reconsidérer la manière de vivre à l'aune d'une menace qui n'a pas encore disparu. Henri, vous avez mentionné que vous venez d'arriver il y a quelques jours de la RDC. Commençons, pourquoi pas non plus, avec votre pays d'origine où l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo avait voté en faveur de la destitution cette année de sa présidente Jeanine Mabunda, une fidèle de M. Joseph Kabila, une nouvelle charge du président Félix Tshisekedi, qui avait aussi annoncé, ça c'est une des grandes nouvelles aussi de l'année, qui avait annoncé la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur que je venais de mentionner, M. Kabila. Ça, c'était aussi pour la RDC une grande nouvelle de 2020, je dirais. C'est la principale nouvelle. Je pense que, en termes d'événements marquants, majeurs, il n'y a aucun événement qui, par son ampleur et son importance, dépasse cela. Il faut rappeler les
le contexte, c'est évidemment une coalition très compliquée avec deux partenaires qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, qui ont deux visions diamétralement opposées de la société, de leur vision du monde, mais qui, pour des raisons d'impératifs, de paix civile, de paix sociale, ont décidé de cheminer ensemble. Mais c'était très compliqué et on a vu que l'exercice ne pouvait plus continuer. Le chef de l'État a pris ses responsabilités. Il a décidé de rompre. C'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de Congolais attendaient. Alors, évidemment, il y en a qui sont mécontents, mais ça, très franchement, c'est anecdotique au regard des enjeux, au regard de l'avenir. Pourquoi sont-ils mécontents, hein? Que disent-ils? Mais parce qu'il y a des gens qui sont profondément attachés, accrochés à leurs privilèges, qui n'ont pas du tout, je dirais, la moindre idée de la manière de pouvoir développer un pays qui, le moins que l'on puisse dire, a connu d'énormes difficultés, des gens qui n'ont jamais mis en avant l'intérêt général et qui s'accrochent à des privilèges qui, aujourd'hui, leur sont retirés. Et ça, c'est une bonne chose et c'est l'une des principales leçons. Il faut changer, effectivement, de paradigme. Alors, l'idée de l'union sacrée de la nation, c'est une idée noble. Nous verrons comment est-ce qu'elle va cheminer. Le premier grand test, je dirais grandeur nature, se fera le 5 janvier prochain, puisque une session extraordinaire du Parlement a été convoquée pour l'élection du bureau définitif. Il faudra pour ce faire que ceux qui décident aujourd'hui de jouer le jeu de cette fameuse union sacrée s'accordent pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat par poste. Je rappelle que le bureau du Parlement est composé de 7 postes, président, 2 vice-présidents, le rapporteur et son adjoint, le questeur et son adjoint. Donc il va falloir déjà ici se mettre d'accord et ne pas partir en ordre dispersé parce que le risque évidemment pour le président de la République, c'est de se retrouver dans une situation paradoxale où finalement, à cause de la dispersion des voix et des votes pour cause d'ambition excessive, eh bien, on voit le FCC revenir à la manœuvre. C'est une perspective qui n'est pas à exclure et c'est pour cette raison qu'il faut que chaque acteur politique se rende bien compte des enjeux qui sont liés à cette élection du bureau définitif qui est déjà l'amorce et la matérialisation de cette union sacrée de la nation. Henri, que pense le Congolais lambda? Parce que moi, je vous suis toujours, je vous vois dans les marchés, en train de manger les beignets par ça. Et pour dire en quelque sorte que je vous vois avec le petit peuple, mais je vous vois aussi avec les grands peuples. Mais que dit le peuple lambda, l'homme de la rue, le Congolais de la rue? C'est le Congolais lambda est excédé parce que cela fait bien longtemps qu'il ne compte plus du tout sur les autorités nationales, sur le gouvernement. Ça fait de longues années maintenant que l'État a d'une certaine manière démissionné dans ses fonctions régaliennes. Les fruits de la croissance ne sont pas équitablement répartis. Vous avez une population qui est à la fois paupérisée, qui vaque à ses occupations, qui essaye de trouver à la fois un exutoire ou une issue à ses problèmes et qui donc n'attend pratiquement rien, je dirais, des autorités. C'est aux hommes politiques, malheureusement les hommes d'État, il y en a très peu, qu'appartiennent cette responsabilité-là de les rassurer, de tracer des perspectives, de donner une vision pour qu'il y ait des hommes, des femmes qui puissent adhérer à cette vision. Mais ce désenchantement, couplé à une forme, je dirais, d'exaspération, fait qu'aujourd'hui, le Congolais lambda, parfois, regarde cette politique un peu comme un match de boxe en comptant les points d'un côté comme de l'autre. Mais il y a un constat général, c'est qu'il fallait que cette situation cesse, et c'est ce que le chef de l'État a fait dans son discours du 23 octobre dernier, lorsqu'il a décidé eh bien, de prendre ses responsabilités en rompant son alliance avec Joseph Kabila. Et évidemment, on est tous d'accord que c'est enfin, une situation qui a secoué, hein, qui a créé une crise politique dans le pays et qui a secoué le pays jusqu'à la fin de l'année, on doit le dire. Et alors, en parlant toujours de ce Congolais lambda, certains était aussi inquiet, ceux-là en tout cas qui m'écrivent ou qui me laissent des messages par-ci par-là,
comment ils allaient fêter les fêtes des fins d'année. On apprend finalement vers la fin, avec Covid-19 oblige, qu'il y a eu un couvre-feu. Oui, tout à fait. Le couvre-feu qui a été instauré il y a de cela quelques jours, 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire, en sachant que à l'est, évidemment, il y a 1 heure de plus, et que donc le couvre-feu commence d'abord à l'est, puisque quand il est 21h à Lubumbashi, ben, il est 20h à Kinshasa, donc Kinshasa a encore 1 heure avant de... Voilà. Mais c'est une mesure qui était nécessaire pour des raisons d'impératif sanitaire. Vous savez, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des Congolais dans la rue, et j'ai été stupéfait d'entendre certains me dire que la COVID-19 n'existait pas. J'ai trouvé ça hallucinant. Alors j'ai mis ça sur le compte, d'une part de l'ignorance, mais et d'autre part sur un déficit de communication de la part des autorités, peut-être, qui n'ont peut-être pas suffisamment, je dirais, martelé sur le risque sanitaire inhérent à cette situation. Quand vous allez du côté de Massina, Kingasani, Njili, ce qui est effrayant à voir, c'est ces transports en commun qui sont ultra, ultra bondés, presque saturés, où les gens s'entassent et où il n'y a aucune précaution particulière. Donc, je pense qu'il faut. Ça pose problème, en fait. Il va falloir réfléchir sur une manière peut-être plus efficace de communiquer sur ce péril. On n'est pas sorti de cette pandémie. La chance que nous avons eue, et là je parle plus globalement en Afrique, c'est d'avoir une sorte d'historicité en termes de lutte contre certaines pandémies, et le fait qu'il y ait un passif en termes de vaccination. À cela s'ajoute évidemment une population relativement jeune, qui peut-être a développé des mécanismes, ou en tout cas une forme d'immunité. Et c'est ça qui a sauvé la plupart des pays. Parce que si vous prenez les pays individuellement, il est très clair que les infrastructures sanitaires sont dans un état catastrophique et déplorable, et ce n'est pas une surprise lorsque l'on voit les pays les plus touchés en Afrique. Ce sont soit les pays les plus touristiques, soit les pays les mieux intégrés dans l'économie internationale. Henri Désiré, nous y parlons maintenant d'autres pays aussi. Parlons du Togo, où il y a eu les élections. Votre point de vue là-dessus? La continuité, hein, vous savez, lorsque vous créez un système, vous le verrouillez de l'intérieur, et vous avez très peu de marge à une opposition qui, soit dit en passant, reste profondément divisée sur la meilleure stratégie. Cela ne peut profiter qu'au pouvoir sortant. Donc il n'y a aucun débat possible là-dessus. On a eu le même problème en Guinée, Conakry, on a eu le même phénomène en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a rien de surprenant à cela. Les oppositions aujourd'hui en Afrique sont incapables de faire leur unité, et elles sont minées de l'intérieur par des égos surdimensionnés, et c'est une situation qui profite naturellement aux sortants. Je rappelle d'ailleurs que cette année, en parlant du Togo, c'était le 22 février, par un vote sans surprise, que le président sortant, Faure Gnassingbé, qui briguait déjà un quatrième mandat, a été largement réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36%. Parlons un peu de l'arrestation de Monsieur Félicien Kabouga, financier présumé. Henri Désiré Ndjougi, du génocide rwandais. C'était aussi une grande nouvelle cette année. Oui, tout à fait, qui a même fait l'objet d'un documentaire fouillé sur Netflix. 26 ans de cavale, je pense que c'est quelque chose qui mérite quand même d'être souligné. Et vous savez, ce genre de cavale se termine souvent sur un coup de chance ou un coup du sort, c'est selon. Et finalement, pour ceux qui ont vécu le martyre durant cette période extrêmement douloureuse de l'histoire du Rwanda ne peuvent que s'en féliciter. Bien évidemment, je crois que c'est une étape qui a été franchie, et une page qui se tourne dans ce dossier douloureux. Ce n'est pas terminé, bien évidemment, mais au-delà de la symbolique, je pense que là, il s'agit véritablement d'un succès
de la part de la justice, espérant évidemment que les familles des victimes trouveront en tout cas des réponses par rapport à ce qui est arrivé et pourront évidemment terminer ce travail de deuil qui ne s'est jamais, jamais arrêté. Ouais, qui ne s'est jamais arrêté, toujours dans la même partie de la région, hein, Henri, le général Évariste Ndayishimiye, qui est candidat du parti au pouvoir au Burundi, avait été proclamé, lui, vainqueur le 25 mai dernier, vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante avec 68,72%, qui était aussi une grande nouvelle pour ce pays qui avait perdu hein, son président cette année. Oui, tout à fait, une grande nouvelle, mais il faut quand même préciser que le nouveau président est issu du sérail du président défunt, évidemment, donc quelqu'un qui est issu, qui est sorti, je dirais, du même moule. Pour autant, on peut tout de même s'étonner de la posture quelque peu, on va dire, dure, radicale, qu'il a décidé d'adopter vis-à-vis de certains de ses voisins. Je ne suis pas certain que cette posture pourra tenir dans la durée. Nous sommes dans un contexte très particulier où la géopolitique a toute son importance et où les événements qui se déroulent en interne dans les pays impactent nécessairement sur les voisins. Donc, ce n'est pas le moment de se mettre à dos ses voisins et encore moins d'avoir une attitude de défiance à leur égard. J'espère en tout cas que le Burundi va revenir sur la route qui a toujours été la sienne, hein, celle en tout cas par rapport à ses voisins de relations de bon voisinage, d'intégration régionale et à charge évidemment pour ses voisins, et ça concerne tout le monde évidemment, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de ces différents pays. Une grande nouvelle quand même, hein, en parlant toujours de Burundi, Henri, quatre journalistes récemment, je ne sais pas si vous avez suivi ça avec nous, Burundais, emprisonnés depuis plus d'un an et condamnés pour des infractions liées à la sécurité de l'État, ils avaient été libérés après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle, selon le décret consulté par l'AFP le jeudi dernier. Pour nous journalistes, ça c'est une grande nouvelle et c'est une très bonne nouvelle quand nos collègues sont... Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que le métier de journaliste reste évidemment à la fois dangereux, délicat et périlleux, surtout dans nos contrées africaines où ce travail reste évidemment tributaire d'un certain nombre de paramètres selon... que vous ayez traité une information, eh bien, c'est une information dont la manière dont vous traitez peut avoir des conséquences sur la gouvernance. Ça peut contrarier certains intérêts et ça peut occasionner des réactions, je dirais, excessives. Le bilan reste quand même dramatique, globalement. Chaque année, on déplore évidemment des disparitions, des arrestations de journalistes. Je pense qu'il est temps, et j'espère que 2021 sera une occasion pour mûrir la réflexion, pour se rendre véritablement compte que les journalistes ne sont pas là contre un régime ou un système. Ils font leur travail, ils éclairent l'opinion et permettent au public de prendre conscience véritablement des enjeux et, je dirais, de la nécessité de s'engager pleinement dans un processus. Il ne faut pas traiter les journalistes comme des ennemis. Et c'est malheureusement la tendance dans certains pays et c'est dramatique. Exactement. Parlons un peu de la lutte contre le terrorisme, hein, c'est une grande situation aussi dans le Sahel et maintenant en Afrique subsaharienne, partout un peu dans ce sens-là. La mort de Abdelmalek Droukdel, qui avait été tué par l'armée française lors d'une opération, c'était le 3 juin dernier. Il était l'un des principaux hein, chefs de la nébuleuse islamiste sahélo-saharienne depuis une vingtaine d'années. Et pour ceux-là qui combattent le terrorisme, c'était une victoire. Oui, c'était une victoire, mais il faut relativiser dans le sens où ces victoires, lorsque vous les savourez sur le moment, sont de courte durée. Aujourd'hui même, trois militaires français ont été tués au Mali. C'est malheureusement des victoires qui sont entachées par la suite par des actes de
de représailles. Et c'est une lutte de tous les instants qui nécessite évidemment une mutualisation des efforts de la part des principaux pays concernés. Beaucoup d'espoirs ont été fondés sur le fameux G5 Sahel pour qu'elle puisse se donner les moyens de pouvoir éradiquer la menace. On a vu pendant plusieurs mois Boko Haram entrer dans une forme de léthargie ou dans une sorte de sommeil, mais ça a été malheureusement de très courte durée puisque depuis maintenant quelques semaines, eh bien, ce groupe terroriste a repris des couleurs, multipliant des actes de barbarie. Et dernière nouvelle, évidemment, c'est l'enlèvement de ces centaines de jeunes garçons, comme pour dire que le péril reste présent et qu'il ne faut pas baisser les bras. Ah oui, un combat continuel, il ne faut pas baisser les bras. Henri Désiré Djouzi, mon invité aujourd'hui, nous parlons rétrospective 2020. Ah oui, le monde se souviendra de tous ces événements, tout ce qui s'est passé. Allons en Côte d'Ivoire où, à moins de 4 mois, Henri, de la présidentielle, la Côte d'Ivoire a vécu un coup de tonnerre, si je dois le dire ainsi. Le pays avait perdu, si on se rappelle tous, c'était il y a un certain 8 juillet, son premier ministre et candidat désigné du parti au pouvoir, Amadou Gon Coulibaly, décédé d'une crise cardiaque. Et cela, bien sûr, on a vu aussi, c'est une nouvelle qui a fait couler l'encre. Oui, oui, parce que il y a beaucoup de théories qui circulent à son sujet. Lorsqu'il a été désigné comme candidat, certains savaient qu'il était fragile au niveau de sa santé. Par conséquent, il aurait peut-être eu beaucoup de mal à mener campagne. C'est là que vous entendez fleurir un certain nombre de théories. Les plus fantaisistes les unes que les autres. Au final, on a vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il eût été plus simple pour, je dirais, minimiser les soupçons qu'un autre candidat puisse émerger. Mais finalement, c'est le président sortant qui a pris ses responsabilités. Voilà, maintenant, l'avenir nous dira si ça a été une bonne chose. Je note qu'il y a une forte demande de dialogue national après que l'opposition ait fini par, d'une certaine manière, reconnaître les résultats d'une élection qui a été finalement reconnue par beaucoup de pays. C'est très compliqué pour une opposition de s'opposer à la vérité des urnes dès lors que vous avez des pays voisins ou la communauté internationale qui reconnaît ou qui valide la victoire. Donc, nous entrons maintenant dans une phase délicate où les acteurs politiques ivoiriens devront faire la démonstration de leur maturité pour essayer de trouver les voies et moyens de cheminer ensemble pour tourner une page détestable de son histoire. Hein. On a vu ce qui s'est passé en 2010. On a failli revivre la même situation en 2020. Il est temps pour les Ivoiriens d'aspirer à un peu plus de tranquillité. C'est ce que nous souhaitons tous. Contester dans la rue pendant plusieurs mois, on l'a vu, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka avait été renversé par un coup d'état militaire dans la nuit du mardi 19 août. On a vu comment les Maliens étaient dans la rue, on a vu comment ça s'est passé pour les Maliens. C'était une nouvelle qui a marqué 2020. Oui, ah oui, tout à fait. Il faut quand même se souvenir, il y a de cela quelques années, c'est pas très loin, il y a 8 ans, en 2012, le même scénario a été, je dirais, vécu par les Maliens. Mais cette fois-ci, ce qui rend ce coup d'État, on va dire, assez particulier, c'est que il y avait véritablement un sentiment de rejet populaire par rapport à la manière dont le pays était dirigé. À cela s'ajoute évidemment le problème récurrent des zones qui sont aujourd'hui encore à la merci, je dirais, de différents groupes qui manifestement n'ont jamais eu l'opportunité de s'entendre en dépit des différents accords qui ont été signés pour essayer de ramener la paix
au Mali. Maintenant, il va falloir être attentif, puisque nous avons un président de transition. Nous étions dans le même cas de figure déjà à l'époque. On verra comment les choses vont s'articuler et si la junte militaire tiendra véritablement parole, puisque aujourd'hui, l'Afrique n'est plus du tout prête pour des régimes militaires. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a un consensus au niveau du continent. Cette page-là doit être impérativement résolue et je pense que les Maliens, dans leur ensemble, espèrent que cette parenthèse sera refermée le plus tôt possible. Pensez-vous, Henri, que la situation a changé pour les Maliens? Pensez-vous que la population se retrouve dans cette situation-là? Parce que moi, si je pose cette question, c'est parce que, évidemment, je continue à recevoir des réactions de certains Maliens qui disent « Roger, la situation, en fait, ne va pas. C'est pas ce qu'on pensait. » Est-ce que vous pensez que le peuple se retrouve dans tout ça? Non, c'est trop tôt pour le dire. Il faut quand même se souvenir qu'avant ce coup d'État, il y avait une grogne populaire, il y avait même un courant qui était porté par certains hommes. Tout le monde, évidemment, a en tête le principal leader de l'opposition malienne. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes confronté à un coup d'État, d'une certaine manière, les cartes sont rabattues. C'est-à-dire que le combat que vous avez mené, d'une certaine manière, passe en pertes et profits. Et vous êtes obligé, compte tenu du rapport de force qui vous est imposé, soit de vous aligner, soit de disparaître. Je pense que le choix a été fait de s'aligner, mais il faut justement que les acteurs aient à cœur véritablement de jouer franc jeu pour éviter que le Mali ne sombre dans une spirale de violence et surtout dans l'incertitude. Donc, il faudra que les Maliens prennent leur mal en patience. Il y a une transition qui est en cours, qui devrait s'achever dans un peu moins de 2 ans. Et à ce moment-là, au moment du bilan, on verra comment les Maliens réagiront. Mais ceci dit, une des épines dans le pied de cette transition, ça reste évidemment la situation sécuritaire extrêmement volatile au nord du pays. Et ça peut encore changer. Il faut vraiment être très attentif à ce qui va se passer. Vous parliez au début de notre entretien du Covid-19. Qui pouvait, Henri, s'imaginer que le chef d'État aurait pu contracter ce virus ou cette maladie? On a vu le président Macron, on a vu ici chez nous aux États-Unis le président Donald Trump. Qui était atteint de cette maladie. On a vu le Premier ministre de la Grande-Bretagne, on a vu le Premier ministre, le président algérien, hein, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est mis volontairement, lui aussi, à l'isolement après avoir été en contact avec un responsable contaminé par le coronavirus. Évidemment, et vous l'avez si bien dit, il y a certaines personnes qui pensent que cette maladie n'existe pas. Et nous avons des preuves que ces gens ont été ont été affectés par cette maladie. Nul n'est à l'abri. Je le disais tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que, selon que vous soyez riche, puissant, pauvre ou misérable, vous êtes tous susceptibles d'être frappés par le même mal, dans la même intensité, avec la même violence, et avec les mêmes chances de guérir ou de mourir. C'est ça la nouveauté, en fait. Et vous savez, d'une certaine manière, la Covid-19 est venue rabattre les cartes dans un monde profondément inégalitaire où on a vu, comme ça, des populations entières prendre leur revanche parce qu'elles avaient soit une santé qui était, on va dire, beaucoup moins exposée, parce qu'elles avaient un mode de vie qui les exposait beaucoup moins à certains excès et les rendait peut-être moins vulnérables par rapport à certaines pathologies, véritablement. Oui, c'est vraiment une année exceptionnelle à tout point de vue et la Covid-19 a eu d'une certaine manière une forme de vertu égalisatrice, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si peut-être utilisé de cette manière-là, mais la Covid-19 est venue rabattre les cartes, est venue rappeler aux uns et aux autres que vous n'êtes pas éternel, que vous êtes vulnérable, que vous êtes
faillible et que par conséquent, il va falloir repenser la manière dont vous vivez aujourd'hui, pas seulement avec vos proches, mais avec les autres. C'est pour ça que je parlais de triple choc au début de l'entretien. Triple choc, ça, c'est sûr. On ne peut pas ne pas mentionner ce qui s'est passé dans la corne de l'Afrique, où le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclenché une opération militaire un certain 4 novembre contre le front de libération du peuple du Tigré, hein, qui dirige cette région aux dissidentes du nord du pays. Nous avons vu certaines personnes qui sont allées chercher refuge dans d'autres pays, qui sont à côté de... Et cela a fait, a fait réfléchir tous ces pays limitrophes qui prenaient le premier ministre Ahmed. Vous vous rappelez, quand il a pris le pouvoir, tout le monde était content de voir, tout le monde parlait de... On l'appelait même à un certain moment Obama africain, parce que c'était un pays, un président, enfin, un premier ministre, ils n'ont pas de président, mais un premier ministre pacifique qui voulait unir ces deux peuples. Et du coup, les gens se posaient la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce coin d'Afrique? Alors, il faut rappeler que l'Éthiopie est un régime parlementaire fort. Il y a une présidente de la République, il y a un rôle beaucoup plus honorifique. Pour revenir, je dirais, aux origines de ce conflit, il faut rappeler que le Premier ministre avait demandé un report des élections, notamment législatives et celles qui devaient se dérouler dans les 10 provinces, en fait, les territoire semi-autonome de l'Éthiopie. Le Tigré ne l'a pas entendu de cette oreille et a souhaité en fait organiser le scrutin le plus rapidement. Vous savez que les velléités indépendantistes n'ont jamais cessé dans certaines de ces zones en Éthiopie. En représailles, dans un premier temps, le Premier ministre a gelé les aides qui devaient arriver au Tigré. Certaines entreprises étrangères ont été également pénalisées. Et lorsqu'il y a eu notamment un repli de la part de plusieurs personnalités originaires du Tigré, ça a été, je dirais, l'annonce de quelque chose qui allait véritablement dégénérer. Il faut rappeler aussi que les Tigréens, qu'il faut les appeler comme ça, ont occupé les postes les plus importants. La sécurité d'Éthiopie ces 30 dernières années, c'est une minorité. Il faut rappeler que les Tigréens ne représentent en réalité que 6% de la population de l'Éthiopie, mais qui était très bien représentée dans les postes de commandement. Et donc, ce repli vers le Tigré n'était pas du tout de bon augure, et c'est pour ça que le Premier ministre a pris ses responsabilités. La suite, vous la connaissez, avec évidemment le risque d'un embrasement régional. Il reste que maintenant, la seule voie possible reste le dialogue, mais c'est malheureusement une voie que refuse de suivre le Premier ministre éthiopien, puisque cela serait à la fois perçu comme un déficit d'autorité, et surtout une prime à l'impunité. C'est pour cette raison que le conflit n'est pas du tout près de se terminer. Il y aura, à mon sens, au niveau régional, une prise de conscience. Il faut rappeler quand même que l'Éthiopie, c'est près de 8% de taux de croissance. C'est un pays qui connaît une progression exceptionnelle. Et cette situation qui prévaut à l'heure actuelle n'est pas de nature à conforter le pays, je dirais, dans cette position-là. Et donc, si vous ajoutez à cela le risque de déflagration régionale, vous avez effectivement un cocktail explosif qu'il convient que les acteurs régionaux et sous-régionaux s'emploient véritablement à éteindre. Vous êtes parent comme moi. L'enlèvement des centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria a suscité mais vraiment la stupeur un peu partout dans le monde, partout ici, chez nous, dans le monde, encore une fois. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, cela, ils avaient enlevé certains lycéens, et cette fois-ci, c'était encore la même nouvelle, et les gens se disaient, on prie que ces jeunes puissent rentrer chez eux sains et saufs, quoi.
Oui, alors la stratégie de Boko Haram est décidément incompréhensible. Lorsqu'ils ont enlevé les lycéennes, il y a de cela quelques années, il s'agissait de frapper là où ça faisait très mal. Aujourd'hui, c'est le même mode opératoire qui prévaut dans une zone que le président de la République, Mohamed Bouhari, avait visité quelques heures plus tôt. Donc c'est véritablement un défi lancé contre le président nigérian. Et c'est vrai que c'est une situation qui oblige, une fois de plus, le gouvernement nigérian à revoir toute sa stratégie de lutte contre Boko Haram. C'est une stratégie qui s'est avérée payante dans un premier temps, mais lorsque on a cru que Boko Haram était affaibli, c'était probablement pour eh bien, se remettre en ordre de marche et se reconstituer. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les lycéens est une des conséquences visibles, je dirais, de cette stratégie de harcèlement que Boko Haram a décidé d'utiliser contre les autorités nigériennes, avec son lot évidemment de malheurs. Espérons que 2021 sera beaucoup moins cruel que cette année et que le gouvernement aura à cœur de rétablir la situation. Que tout revienne à la normale, si je te dis ainsi, en 2021. Je ne peux pas non plus finir notre entretien sans parler du GT diplomatique. Ben non, pas du tout. GT Oui. diplomatique, c'est une grande nouvelle aussi pour l'année 2020. Ben ouais. Écoutez, dans le paysage audiovisuel congolais, il y avait un créneau, une niche, un segment qui n'était pas du tout exploité. C'est celui qui permettait de donner aux acteurs de la vie internationale un espace d'expression. Ce qu'on entend par acteurs de la vie internationale, c'est évidemment le gouvernement, les missions diplomatiques, les organisations internationales, le système des Nations Unies, les acteurs étatiques, non étatiques, les institutions financières internationales et les organisations non gouvernementales. Elles sont très présentes en République démocratique du Congo, elles y travaillent, elles font des choses. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir qui est qui fait quoi, comment et pourquoi. Et donc, le JT diplomatique se propose d'accueillir, eh bien, sur son plateau, ces différents responsables, puisqu'ils puissent venir nous expliquer par le menu en quoi cela consiste. Et ça permet aussi de familiariser, le public sur les relations internationales, comment fonctionne le monde, quels sont les enjeux à la fois géopolitiques et stratégiques, quels sont les rapports entre États, et ce, à l'aune de l'intégration régionale, du développement, mais aussi de la coopération internationale. Quels sont les défis, hein, Henri, que vous avez rencontrés en mettant le GT diplomatique en place? Alors, le premier défi, ça a été d'abord de convaincre ces fameux acteurs de la vie C'est internationale ce que du. j'allais dire, c'est pour ça que je posais cette question d'ailleurs. Voilà. Il y en a, globalement, ils se sont montrés réceptifs. Mais vous savez, c'est toujours ça. Au début, on est enthousiaste, et puis après, vous devenez moins accessible lorsque sollicite par exemple des interviews. Nous avons été honorés d'avoir l'ambassadeur de France, de Suède, le ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Nous avons eu le représentant pays de l'UNESCO. Nous avons d'autres ambassadeurs qui nous ont fait l'honneur de passer nous voir et dont les interviews seront diffusées progressivement. L'accueil, je dirais, est globalement, je dirais, positif. Maintenant, il va falloir s'inscrire dans la durée. Les sujets ne manquent pas. Notre prochain grand défi, ce sera évidemment de pouvoir parler de la présidence en exercice de l'Union africaine qui sera assumée par la République démocratique du Congo début février 2021, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui actuellement assume la première vice-présidence, eh bien, aura cette lourde mais noble tâche de pouvoir présider
l'Union africaine pour une période de 12 mois. Et nous aurons à cœur évidemment de suivre cette présidence, mais surtout d'accueillir ceux qui seront amenés à l'accompagner durant cette mission. Je pense notamment au panel qui va l'accompagner, qui est dirigé par le professeur Alphonse Ntumba-Luaba et la ministre des Affaires étrangères, bien évidemment, mais aussi tous les ministères sectoriels concernés, car cette présidence est une opportunité exceptionnelle pour la RDC, non seulement de redorer Et son. comment cela est accueilli hein, par dans ces milieux du gouvernement congolais, le président lui-même et toutes les personnes autour de lui? La présidence en exercice de l'Union africaine est une formidable vitrine. Elle vous donne de l'influence, elle vous permet de prendre des initiatives qui seront portées à votre crédit. C'est un moment véritablement important. Certains y laissent évidemment leur empreinte. Ce n'est pas donné à tout le monde, car les situations évidemment sont différentes. Mais globalement, il s'agit d'un challenge véritablement qui peut être porteur à la fois pour le chef d'État qui va étoffer, je dirais, sa dimension internationale, mais aussi pour le pays qui, pendant un an, va évidemment focaliser toute l'attention. Une très bonne nouvelle pour la RDC dans ce sens. En tout cas, Henri, merci. Je ne sais pas si vous avez, vous, quelque chose à ajouter, une nouvelle à un événement qui vous a, vous, personnellement, Oui, marqué, vous avez le temps de le dire. je pense que parmi les grands événements qui auront marqué cette année 2020, c'est incontestablement l'élection de Joe Biden. Parce que je pense que durant ces 4 dernières années, il y a eu une forme de tension à l'international. Je pense que le président sortant avait à cœur de défendre les intérêts de l'Amérique. Cela n'a pas toujours été compris. Cela s'est parfois fait avec brutalité. Mais il y avait quand même, je pense, une demande pour un peu plus de sérénité dans les relations internationales. Et indéniablement, l'élection de Joe Biden, indépendamment du contentieux ou de, je dirais, la contestation qui a suivi son élection, constitue véritablement un motif de satisfaction et d'espoir pour beaucoup, beaucoup de gens dans le monde. Et je suis content que vous ayez mentionné cela, Henri, parce que ça, c'était aussi une de grandes nouvelles. On a même vu comment les Américains étaient divisés aussi, toujours dans le même sens. C'était une très grande nouvelle. Et donc, je pense qu'on attend voir comment, comment la prestation de serment de Joe Biden va se passer. J'espère que vous serez ici avec nous, hein. Je vais essayer, même si à cette date-là, je serai à Kinshasa. OK. Je vous le dis pour justement cette présidence en exercice de l'Union africaine. Il s'agira vraiment d'aller à la rencontre de tous ces acteurs qui accompagneront le chef de l'État dans cette mission. C'est dans cette mission. Et vous comptez voyager avec l'équipe du chef de l'État en Non. février, au mois de février ou non? Pas nécessairement. Au niveau du JT diplomatique, on va essayer de s'organiser. Nous avons un regard, on va dire, extérieur, un peu plus neutre, plus indépendant. Nous ne sommes pas du tout intégrés à la presse présidentielle. Nous faisons notre travail en tant que médias responsables et indépendants. C'est de restituer fidèlement les enjeux, les défis, les attentes et de le porter à l'attention du public. Alors, je comprends très bien que c'est le JT diplomatique s'intéresse à la diplomatie internationale, je veux dire. Est-ce que JT diplomatique pense aussi aller interviewer ces acteurs qui sont en dehors du pays, pas nécessairement en RDC? Bien sûr, bien sûr. Il y a par exemple les ambassadeurs de RDC qui sont accrédités un peu partout dans le monde, dont on a besoin d'avoir le feedback sur l'état des relations au niveau bilatéral entre la RDC et ses différents pays. Il s'agit aussi d'aller vers des organisations internationales qui sont basées, localisées géographiquement. On pense évidemment à la FAO qui se trouve
à Rome, on pense à l'UNESCO à Paris, on pense évidemment à l'ONUDI qui est à Vienne. Voilà, donc il y a toutes ces organisations qui ont des choses à dire et des choses que nous aurons à cœur de porter à la connaissance du public congolais, mais pas que, mais aussi africain. Henri, c'est toujours un grand plaisir, comme je le disais au début de notre entretien, toujours un grand plaisir en tout cas de vous avoir, et toujours un grand plaisir, et merci pour le temps que vous nous accordez. Je sais combien busy vous êtes, hein, mais vous nous accordez toujours un petit moment, et ça me fait tellement plaisir. Merci Plaisir. encore une fois, désolé pour ce petit problème technique, hein. Pas de problème, merci. Merci, à bientôt. Bonne nuit chez vous. Merci. Ciao, ciao. Qui veut n'a pas quoi comme qui lui les réponses à chérie et à chérie mon anité beba mon anité ben à mon anité salomo mon anité et bon, na Charlotte. Consolation d'un rabat péture dans Instagram. Bah, photo toujours clean, y'a ma Kardashian. Bah, like, il est qui mûr, y'a Jésus, écoute, oui, qu'on sort. Des temps de commentaires, y'a un gars, ils ont ça, c'est comme ça. Yo, look, il y a les wars. Déconnecté, yo, tikinga. Changer à ta profil et longue na yo. Salut mon anité. Bébé na mon anité.
Maman Solange Luceni, Romain Kouloumbou, Edo Kalongi, Samy Liao, Azor Molongea, mon premier, Roger Montou, RM Show, Bernard Kayumba, président national du Tamiko, nouvel élan du Congo.